Bonjour frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 6h30 pratiquement ici à Tahiti, à Papeete, la capitale. Et nous sommes au port de Tahiti pour aller à Omoreia. C'est une île voisine de Tahiti où nous allons avoir une réunion de réveil avec des frères et sœurs qui suivent TV de Vie, qui suivent les enseignements, qui aiment la vérité. Donc nous allons leur partager l'évangile. Et merci en tout cas pour vos prières, pour votre soutien. Que le Seigneur soit béni. Le Seigneur nous a dit dans les Écritures d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et d'annoncer l'évangile. Donc nous sommes là justement pour répondre à cet ordre, pour obéir à cet ordre du Seigneur. Donc voilà, nous allons vous tenir un peu au courant de ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances que le Seigneur opère. Peu à petit, nous vous partageons les images pour que vous soyez au courant, hein, au fait de ce que le Seigneur accomplit, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous encourager, à nous soutenir. Et la parole nous dit effectivement dans Matthieu chapitre 28, le Seigneur dit « Allez dans le monde entier et annoncez l'évangile à toute la création. » Voilà, et faites des nations des disciples. Voilà, baptisez-les, hein, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous les baptisons effectivement au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc vous voyez les images un peu des bateaux qui sont là. Donc nous sommes en train de nous préparer pour le départ. Donc nous aurons 30 minutes de traversée à peu près. Et merci en tout cas pour vos encouragements. Et Tahiti est une île qui est vraiment à l'extrémité du monde. Et il y a 12 heures de décalage et nous avons fait près de 20 heures de vol. Et c'est très long, mais mes amis, c'est l'ordre du Seigneur et aussi l'amour des frères et sœurs qui sont ici nous a tellement touchés, nous touche tellement que nous ne pouvons que venir pour les encourager. Et nous pensons en même temps aux frères et sœurs qui sont en Nouvelle-Calédonie, qui aiment le Seigneur, qui cherchent Dieu et qui veulent aussi des missions, et nous allons nous organiser si le Seigneur le souhaite, et je crois que c'est son souhait, c'est sa volonté. Nous allons nous organiser pour venir jusqu'à vous et annoncer effectivement l'évangile. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, nous bénissons tous les frères et sœurs qui sont dans les îles. Que le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël vous garde, vous bénisse. Yeshua revient, préparons-nous à son retour. Amen. Gloire à Dieu.